Bonjour à toutes et à tous. Voici quelques conseils pour l'entretien professionnel des professeurs des écoles stagiaires qui ont été lauréats du CRPE 2020 en vue de leur titularisation. Donc, cette capsule s'adresse plus particulièrement au PES de Master MEF mention 1. L'entretien professionnel obligatoire des PES va durer 30 minutes. 10 minutes d'exposé d'une situation professionnelle vécue durant l'année scolaire et 20 minutes d'échange avec la commission qui est composée d'un inspecteur de l'éducation nationale et d'un professeur des écoles. Je vais diviser donc cette capsule en plusieurs parties. Première partie, l'avis qui sera rempli par la commission lors de votre entretien. Alors cet avis, il est paru au bulletin officiel numéro 49 du 24 décembre 2020 et il contient deux grandes catégories qui vont être annotées. Première catégorie, la présentation par le stagiaire d'une situation professionnelle personnelle seront annotés satisfaisants, à consolider ou insuffisants les items suivants. D'abord, la communication. Le respect de la durée de la présentation, la clarté de l'expression, l'attitude. Ensuite, la qualité de l'analyse de cette situation professionnelle vécue. Et enfin, la pertinence des choix que vous aurez été amené à faire au regard de vos obligations professionnelles et du référentiel de compétences. Deuxième partie, l'échange avec la commission, donc consécutif à l'exposé, avec également plusieurs points, toujours notés satisfaisants ou à consolider ou insuffisants. Alors tout d'abord la communication, c'est-à-dire le positionnement vis-à-vis de la commission, la qualité de l'échange et de l'argumentation. Ensuite la capacité d'analyse et de réflexivité dans les domaines de compétences suivants. Donc tout d'abord l'intégration des éléments réglementaires et institutionnels dans l'exercice des responsabilités. Ensuite, les compétences relationnelles de communication et d'animation favorisant la transmission, l'implication, la coopération au sein de la communauté éducative. Et enfin, les compétences professionnelles liées à la maîtrise des contenus disciplinaires et à leur didactique. Pour terminer, la commission va rendre donc un avis sur l'ensemble de cet entretien qui sera favorable, défavorable ou réservé. Pour l'enseignement public, cet avis est communiqué au jury académique de titularisation. Pour l'enseignement privé sous contrat, cet avis est communiqué au jury académique qui est chargé de la proposition de délivrance d'un contrat ou d'un agrément. Et le fonctionnaire stagiaire a accès à sa demande à l'avis de la commission. Deuxième partie, les items de la situation professionnelle vécue en 2020-21, qu'elle soit positive ou négative. Premièrement, vous devez choisir une séquence ou une séance ou un événement. Deuxièmement, la mise en œuvre pédagogique, didactique et la gestion de classe ou du groupe classe. Troisièmement, les ressources qui sont mobilisées. Les connaissances et compétences acquises par la formation, la réflexion personnelle, les conseils du ou des tuteurs, les conseils des pairs, les conseils de la hiérarchie. Quatrièmement, les leçons tirées de cette expérience pour votre pratique professionnelle, votre analyse. Cinquièmement, tout au long de l'exposé, vous devez montrer votre capacité de réaction et votre capacité de réflexion sur l'exercice de votre métier. Troisième partie, voici des conseils pour réaliser l'exposé de 10 minutes. Il semble que vous n'ayez pas le droit à des supports, donc ce sera vérifié au sein de chaque académie. Donc, premier point, choisir une séquence ou une séance ou un événement. Si vous choisissez une séquence, elle ne doit pas être trop longue car vous ne devez pas rester dans la description. C'est l'analyse qui sera évaluée. Si vous choisissez une séance, elle doit être significative, située dans une séquence, et vous pouvez trouver, si vous le souhaitez, des modèles sur mon blog. L'événement, cela peut être un projet mené, la construction des règles de vie avec les élèves de votre classe, un parcours comme le parcours santé, par exemple.
Appuyez-vous sur votre fiche de préparation ou votre fiche de séquence. Dans tous les cas, il faudra mentionner les objectifs précis, les compétences au regard des programmes de 2020 et du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, mais aussi le matériel, les consignes, le déroulement. Pensez plus spécifiquement pour le cycle 1 en quoi cette activité renforce la préparation aux apprentissages fondamentaux en lien avec les recommandations pédagogiques du 29 mai 2019. Pour les cycles 2 et 3, en quoi cette activité renforce les apprentissages fondamentaux ou les stabilise pour le cycle 3, lire, écrire, compter, respecter autrui du volet 1 des programmes de 2020. Mais aussi, quelle contribution de cet enseignement au socle commun de connaissances, de compétences et de culture du volet 2. Ainsi que les repères annuels de progression en français, mathématiques et enseignement moral et civique. La mise en œuvre. Mise en œuvre pédagogique, pensez au matériel à manipuler, à partager, à transformer, aux différentes ressources, au type d'activité. Est-ce une activité découverte, de manipulation, de jeu, de description, d'expérimentation, d'observation, de situation-problème, voire d'évaluation? À votre rôle d'enseignant, donc est-ce que vous menez, vous organisez, vous parlez, vous écoutez, vous écrivez devant les élèves, vous les aidez, vous les encouragez, vous régulez, vous évaluez, vous observez? À l'activité précise aussi des élèves, est-ce qu'ils recherchent, est-ce qu'ils expérimentent, est-ce qu'ils dialoguent, est-ce qu'ils réfléchissent, est-ce qu'ils appliquent, est-ce qu'ils corrigent, etc. Mentionnez également la différenciation pédagogique, les consignes et votre efficacité. Pour le cycle 1, pensez à la sécurité affective, l'épanouissement des élèves, le rôle de l'ATSEM comme partenaire. Et pour les cycles 2 et 3, pensez au croisement entre les enseignements, l'éducation aux médias et à l'information. Concernant la didactique, vous pouvez aborder le matériel, une technique, une méthode spécifique utilisée dans un domaine disciplinaire particulier par rapport à votre contenu. Les interactions entre les élèves et vous, les élèves et le contenu, les représentations des élèves, les résistances, les obstacles, etc. Au niveau de la gestion de classe, est-ce la classe entière, un groupe, des groupes selon l'activité, le lieu comme le PS? Doyle en 1986 définit la gestion de classe comme l'ensemble des pratiques éducatives de l'enseignant afin d'installer et préserver dans sa classe des modalités permettant son enseignement et l'apprentissage des élèves. La variable qui a le plus d'influence sur la réussite des élèves serait une bonne gestion du temps. Vous pouvez aussi aborder l'espace, la préparation, la gestion matérielle, la pose de voix, le règlement de classe, le choix des activités, l'aménagement de la classe, etc. Les ressources mobilisées. Votre formation, c'est-à-dire les cours à l'INSPE, voire durant votre licence, en présentiel et à distance, les séances d'analyse de pratique, le mémoire, entre autres. Concernant votre réflexion personnelle, vos lectures scientifiques, celles que vous avez pu faire pour votre mémoire, et pédagogiques pour la classe, vos recherches sur Internet, la synthèse des apports que vous avez appris via des vidéos, des lectures, des conférences, des pratiques personnelles comme les arts, les musées, les lectures, etc. Votre réflexion personnelle dans l'action, donc juste après, ou un peu de temps après, en fonction des échanges avec les pairs. Les conseils de vos tuteurs, pour cela, référez-vous au bulletin de visite conseil et évaluative. Les conseils des pairs, donc le rôle du mentorat dans l'apprentissage du métier, les conseillers pédagogiques, le directeur, les collègues, les autres stagiaires, les réseaux sociaux et plus largement le RASED, l'infirmière scolaire, un intervenant extérieur, le bibliothécaire, des collègues du collège, etc. Les conseils de la hiérarchie, donc conseil de l'inspecteur de l'éducation nationale, mais aussi de la DSDEN en début d'année, voire le conseiller pédagogique quand il représente l'inspecteur de l'éducation nationale.
Quelles leçons tirer pour votre pratique professionnelle? Ce que cette situation professionnelle a apporté quant à l'apprentissage du métier, par rapport à vos connaissances, vos compétences, comment dépasser une activité, votre prise de risque mesurée, essai d'une différenciation pédagogique, le réinvestissement dans un autre niveau de classe, en éducation prioritaire, en milieu rural, la nécessité de vous former tout au long de votre carrière, par des stages, les animations pédagogiques, mais aussi votre auto-formation, votre progression en gestion de classe, ce qui l'a influencé tout au long de l'année, l'envie d'apprendre des élèves, leur motivation et la vôtre, enfin votre épanouissement professionnel. Au niveau de l'analyse, alors l'analyse quant aux réussites, aux difficultés des élèves, le statut de l'erreur, la pédagogie différenciée, la prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers, l'observation de vos élèves durant une activité, en contexte et hors contexte, car la polyvalence du métier nous permet de voir les réussites, mais aussi les notions difficiles pour certains. Vous avez utilisé une méthode, un dispositif pédagogique. Vous auriez pu également faire autrement, travailler en petits groupes ou changer de support, par exemple. La gestion du ou des groupes, la précision des consignes, comment tenir compte de l'âge des enfants, leur niveau, la place de l'activité dans la journée, les prérequis, les compétences numériques. Vous avez enseigné, les élèves ont-ils appris, ont-ils compris? Avez-vous atteint vos objectifs? Et vous pouvez aborder également la relation éducative. Alors, tout au long de l'exposé, montrez votre capacité de réaction, ce que vous avez fait évoluer pendant la séance suite à des remarques des élèves ou leur agitation, votre capacité à ajouter un exercice ou en enlever un au regard de la gestion du temps, la prise en compte des difficultés durant l'activité, les relances effectuées, la reformulation des consignes, votre capacité de réaction après la séance, l'influence du déroulé de la séance sur la préparation de la suivante, les perspectives offertes pour la suite, la prise en compte des difficultés par rapport aux APC, aux petits groupes, la reprise partielle ou modifiée de la séance, les remédiations qui sont envisagées, la mémorisation des notions, l'automatisation et l'évaluation. Votre savoir professionnel est un répertoire, en référence aux travaux de Schoen en 1983, qui est constitué de vos différentes expériences professionnelles qui vous aident à analyser une situation présente afin d'agir au mieux. Ce répertoire a évolué cette année avec vos expériences dans la classe notamment. Je vous conseille la lecture d'un article de Malo en 2011 qui s'appelle « Apprendre en contexte de stage, une dynamique de transformation de son répertoire » qui est paru dans la revue des sciences de l'éducation, le numéro 37. Votre capacité de réflexion sur l'exercice de votre métier. Ce que vous avez appris cette année en stage, en ayant cette classe en responsabilité, mais aussi en la partageant. Montrez vos marges de progression, dans quel domaine, le rôle des outils de préparation, le cahier journal, les fiches de préparation, les comportements des élèves, votre développement professionnel, comment faire évoluer vos savoirs en lien avec la recherche tout au long de votre carrière, apprivoiser votre résistance au changement, votre efficacité dans l'enseignement, vous en tant que praticien réflexif en devenir. Au niveau de la pertinence de vos choix au regard de vos obligations professionnelles et du référentiel de compétences. Vos choix dépendent du niveau de classe, du niveau des élèves, de l'école, si elle est en REP, REP plus, milieu rural, du nombre de classes, du travail en équipe, pédagogique, éducative, des circonstances, dont la pandémie, mais pas uniquement. Cela est peut-être par exemple le fait de disposer ou non d'une salle pour le PS. Pensez bien aux paramètres d'espace et de temps. N'oubliez pas de mettre en lien votre exposé avec le référentiel de compétences professionnelles qui est paru au bulletin officiel numéro 30 du 25 juillet 2013. Je vous redonne ces compétences professionnelles. 1. Faire partager les valeurs de la République. 2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école. 3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage. 4. Prendre en compte la diversité des élèves. 5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation. 6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques.
7. Maîtriser la langue française à des fins de communication. 8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier. 9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier. 10. Coopérer au sein d'une équipe. 11. Contribuer à l'action de la communauté éducative. 12. Coopérer avec les parents d'élèves. 13. Coopérer avec les partenaires de l'école. 14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Puis viennent les 5 compétences P1, maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique. P2, maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement. P3, construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves. P4, organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves. P5, évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. Quatrième partie, des conseils pour l'échange de 20 minutes. La communication, c'est-à-dire le positionnement vis-à-vis de la commission, la qualité de l'échange et de l'argumentation. Vous avez face à vous un supérieur hiérarchique et un futur collègue. Vous devez donc faire preuve d'écoute, élaborer des réponses en argumentant. Il n'y a pas souvent une seule bonne réponse, mais plusieurs, suivant le contexte, les choix pédagogiques que vous avez faits. Ne coupez pas la parole, montrez que vous avez une aptitude à dialoguer, à écouter les conseils, mais aussi à donner votre avis si on vous le demande. Prenez appui sur les textes officiels, vos lectures pédagogiques et scientifiques, en lien avec votre mémoire, par exemple, vos cours ou vos lectures. Deuxième point, votre capacité d'analyse et de réflexivité dans les domaines de compétences suivants. Alors, de nombreux éléments de réponse sont dans le référentiel de compétences professionnelles que je vous ai donné juste avant. Premièrement, l'intégration des éléments réglementaires et institutionnels dans l'exercice des responsabilités. Vous allez être titularisé comme fonctionnaire de l'État. Cela vous engage au niveau de vos droits, devoirs, obligations. Vous pouvez vous référer à la fiche CRPE-CSE numéro 20 ou à la vidéo sur YouTube. Montrez que vous êtes responsable au niveau de la sécurité des élèves, mais aussi que vous avez une attention portée à chacun. Vos principes éthiques, faire partager les valeurs de la République, voir le référentiel de compétences. La liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, le refus de toute discrimination, le développement de l'esprit critique, différencier savoir et opinion, respecter la pensée des autres. Vous inscrivez votre action dans le cadre des principes du système éducatif. La loi d'orientation de 2013, la loi pour une école de la confiance de 2019, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture de 2016, l'instruction obligatoire à 3 ans. Mais aussi dans le cadre réglementaire de l'école, son règlement intérieur, son conseil d'école, son projet d'école. Vous êtes en fait un maillon et votre action et celle de vos collègues contribuent à la réussite de tous les élèves. J'ai fait des résumés des textes officiels pour vous aider, ils sont sur mon blog et sur la chaîne YouTube. Par exemple, les résumés du cycle 1 de 2020, du cycle 2 et 3 de 2020 en français, la loi d'orientation de 2013, la loi pour une école de la confiance, le socle commun, les évaluations CP-CE1 par exemple. Concernant vos compétences relationnelles de communication, d'animation, le métier de professeur des écoles est un métier relationnel avec les enfants, mais tout autant avec des adultes, l'inspecteur de l'éducation nationale, le conseiller pédagogique, le directeur, les adjoints, les parents, l'ATSEM, l'AESH, le maire, les responsables d'associations, la médecine scolaire, le personnel de cantine, de service, le principal de collège, l'orthophoniste, etc. Avez-vous animé une réunion de parents, votre participation aux différents conseils, conseil d'école, conseil de cycle, conseil des maîtres, conseil école-collège? Avez-vous participé à des réunions concernant des projets collectifs, PPRE, projets avec le psychologue, avec des membres d'associations, à distance, avec le numérique? Vos relations avec les parents au quotidien, quels outils, le livret scolaire unique, le cahier de liaison, le cahier de vie, le bloc d'école, l'heure d'échange sur les résultats, le comportement de leur enfant,
Quelle relation de confiance, quel respect, sans jugement de l'éducation donnée, l'appui sur les acquis de l'enfant plutôt que sur ses difficultés, les décloisonnements, les échanges de services dans l'école. Enfin, les compétences professionnelles liées à la maîtrise des contenus disciplinaires et à leur didactique. Vos connaissances des programmes de 2020, les savoirs scolaires, du socle commun, des textes officiels, des prescriptions qui régissent le métier. Vos connaissances aussi sur l'enfant, le développement langagier, moteur, cognitif, social, affectif des élèves et les apprentissages, leurs caractéristiques sociales, les savoirs sur les élèves. Vos savoirs professionnels, donc les gestes professionnels. Maurel et Bucheton en 2015 ont défini un geste professionnel comme étant un signe verbal et non verbal adressé à un ou plusieurs élèves pour susciter leur activité. Il est fait pour être compris. Il manifeste une intention que les élèves doivent être en mesure de comprendre. Il relève d'une culture scolaire et disciplinaire partagée. Donc, vous pouvez aborder vos connaissances, des contenus à transmettre, votre développement professionnel, l'amélioration de vos savoirs, de vos capacités, le lien que vous faites entre les savoirs théoriques et les savoirs pratiques. Pour finir, j'ai fait une fiche afin de gérer votre stress à l'oral. Bon courage à toutes et à tous et à bientôt.